d'analyse, de pratique qui réunit donc les acteurs clés, notamment l'AMO ici présent, mais également les services de police et de gendarmerie, mais surtout également les ONG et les associations comme Futur au présent international et ses partenaires qui donc s'activent dans ce domaine de lutte contre les violences sexuelles. Nous tous donc, on se réunit, on travaille sur ça. Alors la première chose que nous voulons déjà, c'est la prévention. La prévention. On met la prévention sur beaucoup de choses pourra nous permettre en tout cas de diminuer ce phénomène-là, pour ne pas dire de l'éradiquer. Et cette prévention passe d'abord par des sensibilisations que nous faisons au niveau du terrain, notamment au niveau de la communauté, à travers des pièces de théâtre forum que nous faisons avec la troupe Boussana, qui donc mettent en œuvre des pièces théâtrales dans lesquelles on fait passer le message qui va donc intéresser en tout cas la population, qui leur apprennent comment est-ce qu'on doit agir quand il y a des cas de viol, comment est-ce qu'il faut saisir les autorités, etc. L'autre aspect, c'est la formation. Cette formation également, nous le faisons à l'endroit de tous les acteurs, et plus précisément au niveau des écoles de formation, au niveau des écoles publiques, primaires, collèges comme lycées, mais également au niveau des écoles qui forment les enseignants, notamment CRFPE, qui donc forment les élèves enseignants. Donc nous faisons des formations dans le domaine qui constitue en tout cas pour nous un moyen de donner à ces acteurs-là la possibilité de pouvoir gérer ces cas quand ça survient. Alors, l'AMO peut-être serait plus placé à répondre à ces questions-là, puisque recevant directement ces cas-là, mais en m'appuyant sur les dires de Mme Dabo tout à l'heure, dans son intervention, elle a fait savoir qu'il ne se passe pas une semaine ou bien un mois sans qu'il y ait un cas de viol. Cela montre donc que la présence l'importance du taux, en tout cas de viol enregistré au niveau des Ziguinchor. Bien sûr, ces dires ont été confirmés également par la représentante de l'hôpital, qui également a montré également que c'est un cas qui est présent dans la zone. Alors, on espère que d'ici les années à venir, et les actions coordonnées des acteurs pourra donc arriver à faire baisser, en tout cas, le taux. Donc, si vous permettez, je salue l'initiative de FAP, donc en initiant ce projet qui est très inclusif, en mettant en relief à plusieurs acteurs qui interviennent dans la chaîne de protection et de prise en charge de ces enfants. C'est aujourd'hui choisir l'AMO comme étant partenaire d'élaboration de ce projet, mais c'est juste que mettre en exerce donc, ce qui a été décidé et mis en place dans le cadre de la stratégie nationale de protection des enfants. Parce qu'au niveau de la SNPE, donc avec des piliers de prise en charge, notamment la prévention, la prise en charge et la promotion, donc on se rend compte que au sein de ce ministère, donc il y a le volet prise en charge qui est dévolu au ministère de la Justice. Et en matière de protection, l'AIMO joue énormément un très grand rôle et qui est très rattaché à la direction d'action générale donc de la protection sociale et judiciaire. Donc c'est pour cela que l'AIMO, en tant que partenaire technique en matière de prise en charge, est aujourd'hui choisi pour accompagner FAP dans ce projet-là. Et vous conviendrez que dans le cadre de la prise en charge, avec toutes les étapes de prise en charge, partant de la détection, du signalement, de l'identification, de l'instruction, de la phase audience, de la phase suivi post-audience, qui sont des phases très clés en matière de prise en charge. Donc nous, AIMO, dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, en tant que porte d'entrée en matière de prise en charge, nous recevons énormément donc, des cas de violence sexuelle. Madame la coordonnatrice l'a dit, il ne se passe pas un seul jour que nous ne rencontrons pas ou que nous ne recevons pas un cas de violence sexuelle. C'est vrai que dans l'entendement des violences sexuelles, le plus souvent, il y a un des cas de violence qui sort, donc qui est le viol. Mais il faut dire que les violences sexuelles quand même vont au-delà donc, du viol et englobent d'autres types de violences, notamment les questions liées au mariage d'enfants, donc qui sont très présents aussi dans la zone et que nous gérons. Donc énormément les questions liées aux abus qui englobent donc, tous ces cas donc, de violences sexuelles. Et ces filles victimes, c'est d'ailleurs, hein, c'est pêle-mêle, hein, ça dépend parce que c'est le lieu d'exercice de ces violences, notamment la famille. On obtient beaucoup de cas de signalement, donc des violences qui sont effectuées dans le cadre familial à travers donc, les acteurs communautaires qui jouent un très grand rôle, dont les Badianougor, les délégués de quartier,
qui joue un très très grand rôle dans le cadre de, sa, de la protection, mais également au-delà du cadre communautaire ou familial, il y a ce qu'on appelle donc les établissements scolaires ou les lieux d'apprentissage de ces enfants-là, qui sont parfois victimes donc, de ces violences le plus souvent. Donc je dirais, bref, c'est dans le cadre, de dans le cadre d'évolution donc, de l'enfant. Mais quand on se rend compte le plus souvent, pour l'essentiel des cas, le bourreau ou le présumé auteur n'est pas trop loin du cadre d'évolution donc, de l'enfant. Thank you.